تبدا اخويا اشوف Non. Maintenant, c'est bon. Comme je suis une jeune présidente, je me mets à mes notes, je m'en excuse. Il faut avoir des années de présidence pour pouvoir avoir la langue facile. Je ne vais pas être lente. J'ai juste marqué que... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers maîtres, chers collègues, chers collaborateurs, chers amis, c'est avec un immense plaisir que je préside cette première édition du Congrès national d'allergologie et de pneumologie pédiatrique, cette jeune société SMAP. Je me réjouis d'être honorée par une coprésidence assurée par deux sociétés savantes tutelles. Je me permets de le dire, la Société marocaine des sciences médicales et la Société marocaine de pédiatrie avec l'honorable présence de ces deux présidents, Dr Moulay Saïd Afif et Dr Hassan Afilal. Madame professeure Melki Tazi ne pouvait pas venir. Elle a transmis son réjouissement et sa joie par rapport à cette première édition, mais pour des raisons de santé, elle n'a pas pu nous rejoindre. Et c'est juste pour dire que la SMAP, en fait, c'est une société dont l'objectif ultime est la mise à niveau de nos pratiques cliniques, diagnostiques, thérapeutiques et préventives en pneumologie, en allergologie pédiatrique au Maroc. Elle a comme mission de diffuser les connaissances dans les domaines de pathologie respiratoire et allergologique, assurer la formation médicale, théorique et pratique à nos pédiatres, nos gens résidents et aussi aux médecins généralistes, et contribuer à la formation du personnel paramédical, technicien, qu'il soit supérieur, inférieur, kinésithérapeute, comme on l'a bien assuré ce matin à travers un atelier d'exploration fonctionnelle respiratoire où il y a eu quand même la moitié, c'est des infirmiers et des techniciens qui sont impliqués. Et je les remercie pour leur engagement par rapport à cette formation. Cette société aussi, elle essaie de favoriser les échanges et les partages d'expériences entre les soignants dans le domaine de pneumologie et allergologie pédiatrique, de promouvoir les activités de recherche à travers les études multicentriques et aussi d'établir des recommandations pour la prise en charge des principales affections respiratoires et allergologiques pédiatriques. À cet effet, j'ai le plaisir de vous annoncer une très très bonne nouvelle. C'est on a eu cette semaine, pas plus qu'il y a deux jours, l'accord du conseil d'administration de la Société marocaine d'essence médicale pour intégrer notre société au conseil d'administration. Et ça, c'est important. Ça veut dire que... je remercie Dr Moulay Saïd Afif qui a vraiment contribué à la réalisation de cette insertion. Et donc, il reste qu'à nous, membres du bureau, groupe de travail, à se mettre à nos claviers et nos protocoles thérapeutiques et diagnostiques. J'ai envie de dire que la SMAP, elle n'est pas quand même nouvelle, elle est tout simplement la descendante d'une ancienne association. C'est l'Association marocaine de pneumologie et d'allergologie pédiatrique, AMPAP. En effet, c'est une association qui existe depuis 2001 et qu'elle a œuvré pendant des années, tout ce qu'on a dit, l'amélioration de la prise en charge, la diffusion de l'information et la formation continue aux médecins généralistes, aux pédiatres. Dans son parcours, l'AMPAP a toujours œuvré à consolider les liens pratiques entre les services de soins pédiatriques, qu'ils soient privés ou universitaires, médicaux ou paramédicaux et aussi chirurgicaux. Donc l'AMPAP a été ouverte à toutes les activités de pédiatrie et toutes les spécialités impliquées dans la prise en charge de l'enfant. Ce soir, je remercie le professeur Abid d'avoir accepté de coordonner l'hommage qui sera assuré pour les anciens présidents de cette société au courant de ses 20 ans d'existence. Notre association sera également ouverte aux professionnels de santé, quel que soit leur mode d'exercice, que ce soit les prestataires de services, les industriels de médicaments, les spécialistes de l'appareil pneumologie et les soignants. Et c'est pour ça qu'en pré-congrès, on a assuré une exploration fonctionnelle respiratoire pour le personnel paramédical que j'ai envie d'applaudir pour avoir vraiment intégré cette situation.
Donc le comité scientifique a choisi cette année pour la première édition deux thématiques. En pneumologie, la dilatation de bronches, et on l'a bien vu que c'est une pathologie qui est assez lourde, que ce soit diagnostique et étiologique chez l'enfant, et qui continue à poser des problèmes. C'est une table ronde qui intéressera la dilatation de bronches durant la matinée de demain matin, mais pas qu'une table ronde. L'objectif, c'est rédiger un protocole marocain de diagnostic et de soins des dilatations de bronches au Maroc. Et donc, la table ronde de demain, c'est l'état des lieux de ce qu'il y a eu pendant une vingtaine d'années. Et là encore, je remercie M. Habib qui a tenu à prendre la parole par rapport à ça. Et vous allez voir, demain à 8h30, il va vous dresser tout l'historique via l'amélioration des moyens diagnostiques entre hier ou aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on doit changer aussi notre façon de faire, et c'est le protocole qui va nous permettre. Je remercie nos partenaires étrangers qui ont accepté de nous accompagner par rapport à la réalisation de ces documents. En parallèle, en allergologie, on a choisi l'allergie alimentaire pour vous parler des bases d'initiation depuis le diagnostic jusqu'à la prise en charge thérapeutique, couronnée par un très beau atelier dimanche matin sur l'induction de tolérance. Tout au long de ce congrès, vous l'avez senti, on va parler de la médecine de précision, de la médecine personnalisée, des biomarqueurs, des endotypes et des phénotypes, tout ça pour rejoindre en fait les avancées qui arriveront par thérapeutique et diagnostic, que ce soit en allergologie ou en pneumologie. Donc vous êtes tous conviés à apporter votre contribution, votre savoir-faire, votre savoir-être. Je tiens aussi à remercier les laboratoires, les sponsors qui nous ont aidés à vous inviter dans ce cadre agréable, même si ça a été difficile. Ils sont avares en ce moment, très peu de collaborateurs, et donc ça a été dur, mais on est content que vous soyez tous là, et voilà, ravi d'être ici avec vous, et j'espère qu'on aura une bonne continuité pour notre congrès. J'espère que j'étais pas à nous, monsieur Abus. Alors tout d'abord, monsieur le président de la Société de sciences médicales, monsieur le président de la Société marocaine de pédiatrie, madame la présidente de la SMAP, mesdames, messieurs, le bureau actuel de la SMAP, tout d'abord la SMAP, c'est l'OMPAP, c'est la même société. On a changé le nom parce qu'il y avait des obligations et des facilités administratives et on a mis la SMAP pour ne pas entrer en conflit avec l'OMPAP. Mais la SMAP, c'est la continuité de l'OMPAP, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan scientifique, et que même moi-même qui étais membre de l'OMPAP, je reste membre de la SMAP. Alors, le bureau de la SMAP a tenu à honorer et à faire un hommage aux anciens, disons les membres fondateurs, les membres du bureau, les membres du comité scientifique de l'OMPAP. Avant qu'on parle de cet hommage, moi je tiens et je demanderai à nos amis là qui sont sur le pupitre de passer la première diapo. Je tiens à féliciter le nouveau bureau de la SMAP et à féliciter et dire un grand bravo à Madame Hafedine Zaha, présidente de la SMAP, Naïma, et aussi ainsi qu'à tous les membres du bureau. J'aimerais bien qu'on passe la diapo. Et il y a aussi les membres du bureau. Et ce n'est pas facile. Pourquoi je dis un grand bravo? Pourquoi vous avez applaudi? Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de tenir une société, d'être le président, d'organiser un congrès, d'aller chercher le financement, d'inviter des gens, de tout ça, c'est très dur. Alors ça vous prend du temps, alors ça vous bouffe, alors des fois vous ne dormez même pas,
et il faut faire une... C'est des sacrifices. C'est pour ça que, encore une fois, applaudissez ce bureau de la SMAP. Non, mais je tiens à dire qu'elle a un défaut quand même. Un bon président, il parle pendant une heure, comme tu es en train de le faire. Donc... Alors, première diapo, allez-y. Alors, je vais parler rapidement de l'ancien bureau. Je suis content, je suis heureux que Mme Chami et que Mme Souhaïl Fatna soient là. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez par la suite. Vous voyez, l'ANPAP a été créé en 2001. Ça fait 24 ans. Mais c'est avant, après. Et qu'il n'y a pas de sectorisation universitaire libérale publique. Toutes les personnes qui sont intéressées par la pneumologie, l'allergologie pédiatrique, peuvent faire membre adhérent de cette société, ANPAP ou la SMAP. Et que les objectifs scientifiques, formation, perfectionnement et état d'avancement de la spécialité de la pneumologie, allergologie pédiatrique, et que aussi de sa pratique, et qu'il y a des congrès, des séminaires, des diapositives. Voilà les membres, je dirais fondateurs, membres du bureau, comité d'organisation. Tous les noms sont les mêmes. Ils sont en gras. Il n'y a pas de différence. Mais il faut retenir que les premiers, quatre premiers, ce sont les membres fondateurs. Ce sont les premiers qui sont assis à table à Casablanca et qui ont décidé de faire un truc, une société, un club, je ne sais pas, où on peut s'échanger et apprendre. Par la suite, il y a eu d'autres membres qui ont rejoint. Sil Hassani à ma gauche, Sim Harawi. Là, Amel Hassani, on a baqué qu'on dit EL. D'abord, on a appris aujourd'hui Hassani Amel, sans EL. C'est comme ça qu'il faut le différencier. Et Sim Harawi, ils nous ont rejoint le congrès 2003, 2004, 2005. Mais il y a d'autres personnes. Il y a des médecins de santé publique, il y a des médecins privés, il y a des médecins des hôpitaux, et donc vous avez les noms qui sont devant vous. Si j'oublie quelqu'un, je veux qu'il m'en excuse. Alors j'ai pris mais le maximum de noms. Mais pourquoi tu as mis les Casablancais en premier? Mais chez les Casablancais, ce sont eux qui étaient fondateurs. Ada Ayatna Rabatini, il est en Zid Akhoya, diapoulkha. Voilà le premier congrès, dilatation des branches. Et comme par coïncidence, le premier congrès de la SMAP, c'est dilatation des branches, 23 ans après. Deuxième congrès, l'allergie et les bronchopathies d'inhalation. Troisième congrès, pneumopathie interstitielle. Allez-y, rapidement. Menbed, c'est l'allergie cutanée avec les dermatopédiatres. Ben, le congrès national fait tout ce qui est immunothérapie, ramqidat, sur l'affiche. On a fait deux congrès jumelés, un avec les gens de Tanger, un avec les gens de Rabat, la PELIP. C'est votre président, Allah yarhamou. Hein? Voilà. Et c'est... Non, mais je connais. Allez-y. Et ensuite, allez-y. Huitième congrès, neuvième congrès, vous voyez bien, mycoviscidose, tous ces thèmes-là, on va encore les reprendre et voir leur état d'avancement. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est pour ça que demain, on va voir, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, les data centers, qu'est-ce que c'est devenu? Diapo. Et on a aussi ce qu'on appelle des séminaires de formation, imagerie, allergie alimentaire, déficit immunitaire. Et on a quelques séminaires qu'on a animés à Rabat avec Mme Hassani Amel et avec Mme Hafidi, dyskinésie ciliaire, kinésithérapie et mycoviscidose. Voilà, je vous remercie. Au fait, c'est Abid l'a tellement bien dit que c'est au fait n'est que la continuité. Je voudrais. Pour, je ne dirais pas les âmes sensibles, pour les esprits qui sont aussi mordus qu'au mois d'histoire, rappelez que l'Europe s'est développée par la Renaissance. La science et l'humanisme étaient dans l'Antiquité. Avec le Moyen-Âge, avec son obscurantisme
et l'inquisition religieuse, l'Europe a connu ses périodes sombres. Puis par la suite, il y a eu la Renaissance. La Renaissance florentine, italienne, plus européenne. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une renaissance. Cette renaissance se fait grâce à une équipe d'humanistes et d'esprits libres, qui sont nos femmes, qui ont travaillé beaucoup dans nos bureaux. Et tout esprit libre, tout esprit humaniste ne peut se développer que par ses mécènes et par ses protecteurs. Et je remercie les Médicis, Moulay Saïd et Hassan Afilal, qui sont les Médicis de cette renaissance. Donc, on est en renaissance. Avec ta permission, madame, c'est un filet, il y a quelques mois d'accord. Non, mais écoute, moi, je suis très agréablement surpris. En fait, j'allais te traiter de prématuré. Et en fait, tu es un petit vieux, vous êtes des petits vieux qui avaient fait un lifting. En fait, c'est l'impap qui s'est transformé en société plus jeune, alors que vous êtes ancien. Heureusement qu'Abidel est là pour nous découvrir toute la supercherie de ce congrès et de cette association. En tout cas, je suis très heureux pour ce que vous faites, parce que, en tant que président de la Société marocaine de pédiatrie, je suis heureux que vous veniez consolider les rangs de toutes les associations et sociétés de pédiatrie, et qu'on avait besoin que quelqu'un s'occupe de ce terrain extrêmement... auxquels on fait appel tous les jours. Nous avons besoin de solutions. C'est-à-dire que les pédiatres ne peuvent pas tout savoir. Et heureusement qu'il y a des spécificités, il y a des hommes et des femmes qui font avancer la pédiatrie marocaine. Et nous sommes très heureux que ce soit fait de cette façon. En tout cas, les premiers congrès, normalement, d'une association se font dans une petite salle toute sombre, sans argent. Et là, je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu as réussi un grand coup. C'est impressionnant, franchement, et je suis impressionné pour un premier congrès, que ce soit à ce niveau, et j'ai vu le programme, c'est absolument fabuleux, et nous allons apprendre beaucoup de choses, et il est extrêmement important que les gens sachent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tout savoir, et qu'ils sachent parfois qu'ils ne savent pas, et qu'ils viennent apprendre, échanger, et que ce soit... Dans tous les domaines. En réanimation, nous avons actuellement de grandes catastrophes parce que les gens, il n'y a pas de référence. Par contre, je ne suis pas d'accord avec Hassani qui dit qu'il faut agresser et transgresser les guidelines. Je ne suis pas d'accord. Je vous le dis. Les guidelines ne sont pas faits pour les... Ils sont faits pour qu'ils soient suivis. Et puis, sinon, c'est une insulte à ce qu'il est en train de faire. Moulay Saïd, c'est pas un courage, ça. C'est pas un courage, je suis désolé. Ça permet de faire moins d'erreurs, et ça, c'est déjà, c'est étudié, il y a des écrits là-dessus, etc. Quand il y a des protocoles, ou dans un service, ou des guidelines qui sont suivis, nous avons moins de possibilités d'erreurs. Et heureusement, la Société marocaine des sciences médicales, avec Moulay Saïd, il y a un gros travail qui est fait. Et c'est très très bien de vous intégrer dans le conseil d'administration, parce que vous allez sortir des guidelines faits, qu'on ne va pas transgresser, qui sont faites pour être suivies, qui vont nous permettre, nous, de faire moins d'erreurs, et que celui qui ne s'y connaît pas, au moins, il a une petite lumière qu'il suit, et qui lui permet de sauver les enfants. Et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci. Je tiens à mon tour à remercier Madame la Présidente et l'ensemble du bureau pour leur invitation. Et même si je vais me répéter, je les félicite parce que pour le contenu scientifique et pour... parce qu'on est des pédiatres, et pour l'accueil, il y a une ambiance chaleureuse et saine et dynamique, et ça, c'est important. Donc, comme Madame le professeur Barakat m'avait fait la demande, donc il faut la remercier en premier, puisque Madame Barakat est vice-présidente de la Société marocaine des sciences médicales,
Comme tu as vu, nous avons, et on est fiers de le dire, nous avons une équipe et un bureau qui est dynamique. Et on a répondu, et je te le dis, le bureau il y a, a répondu à l'unanimité, l'adhésion de ça s'est fait avec l'ensemble du bureau, et c'est pour cela qu'on a répondu une fois que l'ensemble du bureau a validé votre demande. Nous, la pédiatrie, il faut la protéger. Il faut la protéger parce que c'est une... C'est la pédiatrie... Non, moi je parle de la pédiatrie. Moi je suis pédiatre et je suis fier de dire que je suis pédiatre. Maintenant je parle de la pédiatrie. Les pneumo-adultes, j'ai mon frère et ma sœur qui sont pneumo. Donc il n'y a pas de problème chez nous pour la spécialité de la pneumo. Mais je le dis, la pédiatrie doit être protégée. Parce que c'est une spécialité où il n'y a pas beaucoup d'actes. Et parce que, comme nous l'avons vu, et ça, il faut qu'on le défende, et on ne cesse de le faire avec mon ami, mon frère Hassan Afilel, il faut quand même valoriser ce qu'il fait en pédiatrie. Quand on fait une consultation chez un psychiatre, c'est deux fois ce qu'on a, nous. Une consultation en pédiatrie, ce n'est pas une consultation d'un adulte. Donc, il faut la valoriser. La néonatologie en pédiatrie, on l'a demandé. Bon, on a obtenu les 10%, mais ça n'a pas été validé au niveau par le chef du gouvernement. On a signé une revalorisation le 13 janvier 2020 avec la CNSS, qui normalement doit être la seule caisse, puisque c'est écrit dans la loi. Ça, malheureusement, ce n'est pas passé au dernier conseil du gouvernement. Et il faut absolument que les actes de la pédiatrie soient valorisés. Et il faut aussi, et je le dis en toute honnêteté, il faut aussi, puisqu'on dit qu'on va travailler ensemble et qu'il y a le partenariat public-privé, moi, je trouve que c'est aberrant que qu'on vaccine 95% de la population dans le public et que le ministère achète pour 95% de la population, pour même pour 100% de la population. Le budget des achats des vaccins, c'est 450 millions de dirhams. Normalement, ils doivent acheter, disons, juste 30%, qu'ils laissent les 30%, ils doivent acheter 300 millions, et avec les 150 millions, on peut ajouter des valences comme pour l'hépatite, comme pour la méningite, et ça, on ne le fait pas. C'est une caisse de compensation, et qui sait qui prend l'argent, c'est quand même la CNSS qui a un excédent. Ça n'existe dans aucun pays, qui a un excédent de 44 milliards de dirhams. C'est faramineux. Alors qu'ils doivent augmenter le panier de soins et mieux rembourser les gens, parce que actuellement les familles, les patients dépensent plus de 50% de leur poche. Et avec la cherté de la vie, ils n'en peuvent plus. Et c'est pour cela qu'on voit des catastrophes dans le suivi, que ce soit des diabétiques, des hypertendus, de tout ça, et on ne fait pas de diagnostic précoce de tout ce qui est cancer. Et donc, nous devons insister sur l'enfant, parce que c'est l'adulte de demain. Si on veut que les adultes de demain soient en bonne santé, il faut qu'ils soient bien pris en charge quand ils sont enfants. Il y a même l'INDH sur les 1000 premiers jours. Donc, vous voyez que même le ministère de l'intérieur s'y mit. Donc c'est important de bien suivre nos enfants, et donc c'est une chance d'avoir une société comme la vôtre, parce que nous devons aussi développer toutes les hyper spécialités et collaborer. Nous avons lancé une collaboration avec la Fondation Mohamed VI et avec la Goutte de lait et avec la CPP pour la formation en écocardio. Et on a
Madame Barakat a envoyé une pédiatre de chez elle. Il y a deux pédiatres de chez Madame le professeur Dini. Il y a aussi chez le professeur Hamzi. C'est notre rôle, notre richesse en pédiatrie, ce sont les jeunes. Donc il faut axer tout ce qui est programme scientifique sur les jeunes, leur demander ce qu'ils veulent et être à leur côté. Et c'est pour cela qu'au niveau de la Société marocaine des sciences médicales, nous avons créé le club des jeunes médecins de la SMSM, dont les parrains sont le professeur Adnaoui, le professeur Zarouali et le professeur Mchkroun. Donc, encore une fois, bravo et défendons cette belle spécialité. Et suivez les guidelines, bien sûr, parce que, madame, là, je tiens à rendre hommage à madame Barakat et à l'ensemble des pédiatres qui ont travaillé, monsieur le président, parce que madame Barakat, elle a, il y a déjà un protocole thérapeutique sur les infections néonatales précoces qui a été validé par monsieur le ministre de la Santé. Elle est en train de travailler sur le protocole sur la bronchiolite et sur l'ictère néonatal et donc continuera et donc en collaboration avec tout le monde et continuera donc l'asthme, la partie enfant, puisqu'il va y avoir l'asthme sévère, partie adulte, là, qui lui aussi, dans les 29 protocoles qui vont venir, la partie enfant, vous faites maintenant partie du conseil d'administration, donc automatiquement, rien ne sera fait sans que vous soyez consulté, que vous puissiez donner votre avis. Voilà, donc on travaillera la main de la main, et même s'il y a des pneumos adultes, vive la pédiatrie. Voilà. Si vous le permettez, nous avons deux personnes de l'EMPAP qui sont avec nous, qui étaient très importantes. Il y a Mme Souheil qui était présidente pendant 3 congrès de l'EMPAP. Et il y a aussi Rachida Chami qui était trésorière pendant plus de 15 ans. En main de fer. Alors s'ils veulent prendre la parole, alors dans le micro. Rachida, est-ce que tu es devenue riche ? Attends le micro, Madame Souheil. Et je suis heureux qu'elle soit là ce soir et demain. Bien, je vais dire un petit mot rapide. Bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord, bien sûr, remercier professeur Naïma Hafidi, mon ami. Je voudrais, je le répète, remercier professeur Hafidi pour la réussite de ce premier congrès. En tant qu'ex-présidente, j'allais dire, de l'AMPAP, je sais que ce n'est pas facile d'organiser un congrès. Surtout que nous, anciennes présidentes, nous sommes passées dans ce que j'appellerais les jours heureux ou donc le bon vieux temps. Et nous avions quand même beaucoup de laboratoires avec nous et ce n'est pas le cas actuellement. Donc je voudrais encore te remercier énormément pour la réussite de ce congrès. Je voudrais aussi dire que nous avons toujours l'immuno-allergo-pneumologie pédiatrique dans le sang. Nous sommes là et nous serons toujours là avec vous pour former, informer, sensibiliser et surtout les jeunes. Hein. Bon, c'est vrai, les moins jeunes, mais surtout les jeunes. Moi, j'insiste beaucoup parce que la réussite d'un congrès, ce n'est pas le bureau. Ce n'est pas un bureau. La réussite d'un congrès, c'est le public qui sera là. Et pour que le public de jeunes soit là, il faut les sensibiliser par des gratuités dans la prise en charge des congrès, par des congrès à l'étranger, pourquoi pas. En tous les cas, il faut que les jeunes soient avec nous. Alors, je voudrais aussi insister, pourquoi pas, comme idée qui m'est passée en tête, organiser des caravanes et pourquoi pas des forums grand public. Ça, c'est des idées qui me passent maintenant en tête. Donc, ce serait quand même bien d'informer aussi un petit peu le grand public sur ce que fait l'association marocaine de pneumo-allergologie pédiatrique, AMPAP ou SMAP. C'est du pareil au même. Voilà, merci à tout le monde. Merci Naïma pour cet hommage qui me va, en tous les cas, moi, qui nous va tous droit au cœur. J'en suis vraiment très reconnaissante. Merci à vous tous. Rachida.
moi, c'est toujours très, très court. Oui, moi, j'avais beaucoup d'argent. Je n'ai pas besoin de cadeaux, en fait. Bien, bonjour tout le monde. Je crois qu'on se connaît à peu près, que je connais à peu près tout le monde. C'est vrai que tu l'as dit. Non, ce n'est pas un prématuré. C'est né bébé à Casablanca il y a en 2001. Et maintenant, c'est un grand jeune homme, enfin, une grande jeune dame de 23 ans, on va dire. Je suis très contente parce que les hommes, faites attention. Vous savez que 80% de cette femme, de cette salle, c'est des femmes. Alors vraiment, faites très très attention à vous. Hein. Je crois que votre époque, elle est en train de passer. Et je suis très contente de voir autant de jeunes médecins dans la salle. C'est vraiment extraordinaire. En tout cas, Nerima, je crois que ça a été une renaissance. C'est vrai que c'est une renaissance. Ça a été une renaissance difficile, très difficile, avec tellement de réunions, tellement de blabla, tellement de barlotte, et tellement qu'est-ce qu'on s'est réunis, qu'est-ce que Nerima est venue à casa avec Amel Hassani, et qu'est-ce qu'on a parlé, qu'est-ce qu'on a... Et finalement, je suis très, très, très contente que les choses renaissent, que ça reparte, que ce soit un pape ou smap, ou on s'en fiche du nom. L'important, c'est le sujet, c'est le travail, c'est le fait que de former des jeunes, c'est le fait de sensibiliser et qu'on se retrouve tous ensemble en amitié. Et c'est ça le plus important, dans tout, c'est de travailler dans une ambiance saine, sympathique, amicale, agréable et de progresser. Et vraiment, Nerima, encore bravo. Merci beaucoup. Ça a été dur, mais tu es arrivée, vraiment, avec tes copines dans le bureau. Bon, ça va. Heureusement que tu as encore deux hommes dans ton bureau. OK, merci beaucoup. Oui, oui, exactement, exactement. En tout cas, on est très, très contente que les choses se passent comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Merci pour ton invitation, en plus. Avec un cadeau. Oui. Je remercie la présidente. Je remercie Amel Hassani qui a. Il s'est occupé des cadeaux aussi. Relève-toi. Madame la présidente. Merci beaucoup. Tu as l'air de corbaler. C'est seulement un geste par rapport à l'excellent travail, aux choses formidables que vous avez faites. Je me dis, c'est juste un petit geste de reconnaissance. Merci beaucoup. Non, mais moi, c'est ça le plus important pour moi. C'est quoi mieux ? Il n'y a pas mieux que ça, franchement. Le mieux, c'est là, maintenant. Vraiment, c'est super. Et encore ? Des cadeaux. Je lui fais confiance parce qu'elle a. Pour une amitié de 33 ans. C'est pour ça un cadeau spécial. Abd al-Rahman Abid, il était professeur chef de service en 1991. Oui, bien sûr. On va
va aller manger. Hein? Il y a quelqu'un pour lequel ça ne passe pas l'histoire de la transgression. Tu sais, ça me rappelle un truc. Il y avait un copain qui disait, je prends le risque de l'opérer. Je dis, mais c'est lui qui court le risque, c'est pas toi. C'est ça. Je donne la parole à M. Fihri Mohamed, qui est chirurgien pédiatre et qui nous a fait plusieurs conférences dans le cadre d'un pape. Et je me rappelle, je ne connaissais rien en malformation bronchopulmonaire. Et c'est lui qui m'a éclairé par sa pédagogie. Merci beaucoup. Je veux juste remercier Madame Hafidou pour ce congrès, cet excellent congrès. J'ai accompagné l'AMPAPE depuis sa naissance, depuis qu'elle était bébé. Elle est née à Casablanca, je crois, en 2001. Aujourd'hui, elle est adolescente et se retrouve entre vos mains à Rabat. Prenez-en soin d'elle jusqu'à son mariage. Et je suis étonné, j'ai une petite remarque, parce que je pense que vous avez abordé un sujet extrêmement important, les dilatations de branches. Et vous n'avez pas donné la parole à un chirurgien pour qu'il lui apporte son point de vue. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Les membres du bureau avec Monsieur Affilet. Les nouveaux membres du bureau. On n'a pas encore terminé. Le scénario est encore long. Alors je suis très émue. En tout cas, professeur Souhaï, professeur Chami resteront toujours un modèle pour moi. Madame Hill. La présidente d'honneur, quand même, elle a des choses Monsieur à dire. Secrétaire, veut dire un mot. J'ai passé un moment de bonheur. La parole. Pour Hassan, je suis quand même. Je comprends Amine quand il dit qu'il. Non. Là, attends, s'il te plaît. Que les règles sont faites pour être transgressées. Rules are made to be broken. Hein? Sinon, on n'évolue pas, on n'explore rien. Si on s'était confiné à l'Europe, on n'aurait pas découvert l'Amérique. Amine, je défends ça parce que c'est la pratique, notre pratique. Les guidelines ne sont pas faites par nous. Les guidelines ne répondent pas au terrain pratique. Les guidelines doivent être respectées, mais nuancées. Il faut les...